Gérardin, le 8 janvier 2019. Henriette, la vie est une gare principale, grâce à laquelle on doit choisir entre destination et assumer la responsabilité des résultats de ce choix. Donc, il ne faut pas perdre du temps pour prendre la bonne décision, car le train ne va pas t'attendre. Alors, on doit vivre notre présent et oublier notre passé, et il ne faut pas penser au futur. Vivre la vie comme elle est et s'amuser, même s'il existe des obstacles, car le bonheur ne se réalise pas uniquement par l'argent, mais on peut le réaliser par la satisfaction. Aussi, chacun trouve son bonheur d'une manière différente de l'autre, car chaque individu a sa propre manière de le réaliser. Cependant, le bonheur est une notion relative. Citons l'exemple d'un élève qui voit son bonheur dans le succès et les bonnes notes qu'il doit obtenir à la fin. Par contre, un homme d'affaires le trouve dans la réalisation d'une croissance économique. Donc, le bonheur est lié à la situation sociale et psychique et psychologique de l'homme, et il se manifeste dans la majorité des cas dans la réalisation des buts et des souhaits. La vie est une période très courte par rapport à notre vie qu'on va vivre, même s'il faut profiter. Donc, le bonheur est lié à la situation sociale et psychologique de l'homme, et il se manifeste dans la majorité des cas dans la réalisation des buts et des souhaits. La vie est une période très courte par rapport à notre vie qu'on va vivre, même s'il faut en profiter pour s'amuser, car on va tous mourir. Ne regrette jamais tes choix. Il faut vivre chaque instant et saisir toutes les chances qu'on aura dans notre vie. Ne pense ni au passé ni au futur. Construis des amitiés pour avoir plus d'expérience et aie une forte personnalité pour réaliser ton bonheur. Ton admiratrice, Nouria. Bravo. Gérardin, 10 janvier 2019. Chère Henriette, je suis vraiment heureuse car j'ai la chance de vous écrire et de vous aider, ou du moins vous exprimer mon opinion sur l'objet de votre lettre, bien que vous ne puissiez jamais la lire. Vous savez que votre lettre qui porte entre ses lignes des significations profondes ne peut pas être comprise par une personne ordinaire. Elle m'a rendu vraiment fière de vous, car vous êtes la meilleure représentation des femmes savantes. Et vous les savez défendre en essayant de changer leur situation, même si vous vivez dans une société brutale. Et c'est suffisant pour me rendre fière de vous, car vous êtes forte. À mon avis, votre idée de rechercher le bonheur à l'aide de quelqu'un est fausse. Car personne ne sait ou ne saura ce qui se passe à l'intérieur de vous. Personne ne ressent ce que vous sentez et personne ne peut vivre votre expérience. Vous devez vous connaître. Vous êtes la seule à savoir ce qui est bon pour vous et ce qui est mal. Il suffit d'organiser la cohue en vous et de mettre fin à la guerre en votre esprit et votre cœur. Vous savez que la vie est une épreuve et un ensemble de leçons. Bien sûr, vous devrez faire face à de nombreux problèmes qui découlent de la révolution de vos idées. Mais ces problèmes ne sont jamais éternels. Il y a toujours une solution. Et la seule chose qui n'a pas de remède, c'est la mort. Ne permets à personne de diminuer votre estime de vous. Nous devons être forts afin de ressusciter de nos échecs. Vous voulez être heureuse, c'est bien, cela votre ambition. Mais laissez-moi vous passer cette question. Savez-vous vraiment ce que le bonheur?
Ne gâchez jamais votre présent pour un passé sans avenir, car hier n'existe plus, demain ne viendra peut-être jamais. Il n'y a que le miracle du moment présent. Savourez-le, et de cette façon, vous trouvez votre bonheur. Fatem Sy. Gérardin, le 21 mai 1764. Chère Henriette, je vous félicite pour votre talent et l'élégance de votre style qui m'a séduit. La première chose que vous devez faire pour vivre le bonheur est de vous débarrasser de l'influence des autres, de vous accepter et assumer ce que vous avez choisi. La présence de l'autre ne fait qu'affirmer la vôtre. La présence de ceux qui vous entourent vous oppresse, donc c'est à vous de choisir la signification de votre présence et de votre identité. C'est un choix et vous êtes la seule à pouvoir le faire. Pas pour eux, faites-le pour vous-même. Apprenez les leçons de votre expérience passée. Il est temps pour vous. Il est temps pour vous de changer de vie, de prendre vos décisions, d'écrire votre livre, votre histoire, de ne pas rester silencieuse et de donner quelque chose au monde pour que ce dernier puisse vous accepter. Acceptez votre présence et lancez votre nom, Henriette. Vous savez très bien que vous pouvez le faire. N'attendez personne. Le signe qui vient de l'extérieur n'est pas suffisant. Or, le vrai vient de l'intérieur, le plus franc, le plus convaincant. Faire comme tout le monde, se cacher pour ne pas attirer l'attention et ne pas se faire remarquer, nous sommes tous capables de le faire. À un moment ou à un autre dans notre vie, nous sommes tous uniques. Chacun d'entre nous est spécial. C'est vraiment triste de ne pas profiter de notre différence et notre talent. Je vais vous poser deux questions dont les réponses sont capables de vous changer la vie. Qu'est-ce que vous voulez faire dans votre vie? Et qu'est-ce qui vous passionne? Vous devez être absolument clair dans vos objectifs. Nous savons bien que nous voulons le meilleur pour nous, mais nous choisissons donc. Nous savons bien que nous voulons le meilleur pour nous, mais nous choisissons alors la mauvaise voie et nous finissons par nous mentir. Vous êtes une tête de femme implantée dans un corps de femme. Vous devez être fière de vous-même, de votre intelligence et de votre singularité. Croyez en vos idées, votre honnêteté et votre vulnérabilité. Transformez vos blessures en sagesse et vous trouverez le chemin vers la joie qui vous manque. Je vous invite à vous libérer tout en gardant vos valeurs, vos mœurs et votre intégrité. Car même la liberté totale n'est qu'une obéissance à nos sombres envies. Je vous souhaite le bonheur et la joie, ma chère Henriette. Amen.